Participation record pour les championnats départementaux de tennis de table, organisés par le club de l'AJK Vannes et le comité départemental. La compétition a réuni quelques 450 pongistes. Parmi les résultats, nul n'a contesté la suprématie d'Arnaud Kergosien chez les handisports. Chez les seniors femmes, seulement 7 inscrites et, comme attendu, une domination sans partage des Reds de l'AJK. Elles trustent le podium avec, sur la plus haute marche, une inoxydable Solène Rolando. Le titre était plus disputé chez les hommes. En l'absence du vainqueur de l'an dernier, Giovanni Valcou-Leborgne, les prétendants ont bataillé. Et c'est un autre sociétaire du centre de formation de la garde du vœu Hennebon qui s'impose cette fois. Toutefois, Guillaume Nevoz, vainqueur de Cyril Ourvray en demi-finale, a dû s'employer face à son cadet, Léandre Azid Thomas, 14 ans. Vainqueur surprise et expéditif de la tête de série numéro 1 du tournoi, Jean-François Brien, au tour précédent. Poussé à la belle et jusqu'à 9 partout dans la 5e manche, le jeune Parisien l'emporte avec la bande. Ce succès vient tempérer ses deux défaites en finale, la veille, en simple et en double chez les juniors. Bah, je partais tête de série numéro 2 et il y avait plein de gens d'Hennebon, on se connaît par cœur et... Donc j'avais un peu peur de perdre sur quelqu'un d'Hennebon, mais j'ai bien géré et j'ai gagné. Hier, je perds en finale des juniors, je fais une contre et je perds en double aussi en finale, donc je suis content d'avoir gagné aujourd'hui. Ça aurait été une déception sinon, je pense. Ouais, ça s'est joué à rien. Peut-être le mental, peut-être je sais pas trop, mais c'est joué au dernier set et je me suis arraché. Super, super. Pardon, gros.